Donc bonsoir à tous, moi c'est Aurélie. Et moi c'est Marie. Et ce soir on est très heureuse de vous présenter nos travaux de recherche qui visent à essayer de comprendre comment, à travers certains mécanismes, des cellules deviennent cancéreuses. Et aussi, on aimerait pouvoir vous faire découvrir notre quotidien de jeunes chercheuses. On est toutes les deux thésardes en biologie dans le laboratoire du professeur Jonathan Weissman. Mais pour en arriver là, donc on a tout d'abord fait un master en biologie, puis on a dû faire un concours pour entrer en doctorat. Et c'est là qu'a commencé le fameux voyage donc, de la thèse pour arriver au diplôme de docteur en biologie. Et aujourd'hui, on va vous parler justement de ce fameux voyage justement de la thèse et de ce qu'on a pu faire durant ces années-là. Alors tout d'abord, juste des petits rappels, notamment sur le corps et sur les cellules. Donc un corps humain, c'est constitué de 30 milliards de cellules. Donc pour vous donner une idée, c'est 4 fois plus de cellules dans un corps que d'humains sur Terre. Donc toutes ces cellules, en plus, elles vont sans cesse se diviser, se multiplier. Certaines vont mourir, vont être remplacées. Et donc c'est un perpétuel mouvement. Et ce qui est impressionnant, c'est que ces 30 milliards de cellules, elles sont divisées en plus de 200 types cellulaires différents. Elles vont chacune être caractérisées par une forme et une fonction spécifiques. Et quand vous regardez par exemple les cellules musculaires, vous pouvez voir qu'elles sont très différentes des cellules sanguines. Et pourtant, elles contiennent toutes la même information génétique. En effet, elles proviennent d'une seule cellule œuf qui s'est divisée au cours du développement embryonnaire et spécialisée dans différents types cellulaires. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule. Tout d'abord, on va retrouver donc le noyau qui va protéger l'information génétique, qui code pour les différents composants de la cellule, qui assure le bon fonctionnement de la cellule. Parmi ces composants, aujourd'hui, on va parler de quelques-uns, notamment le squelette de la cellule, qu'on appelle ici les microtubules, et également la membrane cellulaire qui vient entourer la cellule. On va aussi parler de l'intérieur de la cellule, qu'on appelle le cytoplasme. Donc, comme l'a dit Aurélie, aujourd'hui, on est là pour parler de cancer. Le problème avec le cancer, c'est pas comme quand on a une infection avec une bactérie ou un virus, ça vient pas de l'extérieur. C'est nos propres cellules qui, à un moment donné, vont un peu faire ce qu'elles veulent, malheureusement. Mais heureusement, il y a quand même un processus de surveillance permanent des cellules qui, justement, élimine ces cellules avec des problèmes. Malheureusement, certaines, justement, échappent à cette surveillance. Et donc, elles vont commencer à se multiplier, à se diviser de façon complètement anarchique et désordonnée. Et c'est ça qui va former, donc, une tumeur. On travaille, donc, toutes les deux dans le laboratoire, justement, du professeur Jonathan Weissman, dans donc, le laboratoire de plasticité des phénotypes cellulaires, au sein de l'unité épigénétique et destin cellulaire de l'université Paris-Cité. Et on a, donc, vous allez le voir, deux thématiques relativement différentes, mais on a quand même une question commune au laboratoire, qui est finalement d'étudier les mécanismes qui rendent les cellules cancéreuses, et donc, comme on l'a dit, mieux les comprendre pour pouvoir mieux les éradiquer. Pour ma part, je m'intéresse à la division cellulaire. J'essaie de comprendre les mécanismes qui régulent ce processus et comment, dans le cancer, ce processus est dérégulé. En particulier, en règle générale, on va dire, une cellule mère va donner naissance à deux cellules filles identiques, et ce, grâce au processus de surveillance dont vous a parlé Marie. Mais parfois, les cellules échappent à ce mécanisme de surveillance et certaines qui vont se diviser ne vont pas être capables de finir la coupure et finalement vont régresser et fusionner pour donner une cellule avec deux gros noyaux. Et ceci a pour conséquence de générer une instabilité du génome qui à la fois contribue à l'initiation mais aussi à la progression du cancer. Et en particulier, moi je m'intéresse à la toute dernière étape de cette division, le moment où les deux cellules vont venir couper le petit pont qui les relie. Et cette coupure requiert une machinerie moléculaire, représentée ici en bleu foncé, qui va former une espèce de spirale pour venir rapprocher localement la membrane plasmique et au final la couper. Donc ce processus, ça s'appelle l'abscission. Et ce qu'on a découvert au laboratoire, c'est que cette machinerie moléculaire, elle pouvait subir une petite modification chimique, représentée ici en bleu turquoise, et on a identifié la protéine responsable de cette modification, représentée en rouge. Et il s'avère que cette protéine, elle est présente en beaucoup trop grande quantité dans de très nombreux cancers, plus d'une quinzaine de cancers différents, notamment le cancer du sein ou encore du poumon.
Et nous, notre hypothèse, c'est que dans ces cancers, cette machinerie moléculaire serait peut-être trop fortement modifiée et ça altérerait le processus de division menant à la formation de ces cellules à deux noyaux. Et donc, mes travaux de thèse consistent à répondre à cette question. Alors, de mon côté, c'est complètement différent. On travaille sur un parasite bovin qui a un nom un peu bizarre, Telleria annulata. Et donc, on retrouve ce parasite dans des zones plutôt en Afrique du Nord et en Asie. Et c'est un parasite qui est transmis par la tique, donc à la vache, parce que la tique a le parasite au niveau de ses glandes salivaires. Et donc, en piquant la vache, il va lui transmettre le parasite. Donc, un parasite, contrairement justement à un virus ou une bactérie, ça va avoir des tailles très variables. Pour vous donner une idée, nous, Telleria annulata, il peut y avoir 100 parasites dans un grain de sel, pour vous donner une idée un peu de sa taille. Par contre, on sait qu'il y a d'autres parasites comme le Vertenia qui, eux, peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Ensuite, aussi, le parasite Telleria, comparé à la taille d'un virus, il fait 10 fois la taille moyenne, justement, d'un virus. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi, finalement, étudier un parasite bovin pour étudier le cancer? Eh bien, tout simplement, le parasite Telleria, ici en orange, lorsqu'il rentre dans la cellule de la vache, il va complètement la modifier et il va utiliser tout ce dont il a besoin finalement pour se diviser et pour se disséminer dans un maximum de cellules. Et quelle est la meilleure façon qu'il a trouvée? Eh bien, de faire se diviser les cellules le plus rapidement possible. Et c'est comme ça donc qu'il déclenche une tumeur et des cancers donc, chez le bovin. Et les cancers qu'il déclenche, c'est ce qui va ressembler le plus chez l'homme à un lymphome, qui est un cancer du système immunitaire. Donc, on a quand même des techniques communes avec Aurélie, notamment la culture cellulaire. Moi, donc, je travaille forcément sur des cellules d'une petite vache, donc des cellules du système immunitaire qui a été infectée par le parasite Telleria. Et on peut les voir donc, sur l'image tout au bout, avec donc, en gris, c'est la cellule de la vache, et en vert, c'est le parasite qui vit donc à l'intérieur de la cellule de vache. Oui, donc effectivement, en biologie, quand on a une question, on va chercher quel est le meilleur modèle pour y répondre. Donc ce modèle, il peut aller de la cellule, mais jusqu'à l'organisme. Nous, dans notre cas, on utilise donc des lignées cellulaires. Et dans les différents laboratoires du monde entier, il existe plus de 3600 lignées cellulaires différentes qui proviennent de plus de 150 espèces différentes. Donc, pour mon cas, mon modèle préféré, ce sont les cellules cancéreuses d'Henrietta Lacks, plus communément appelées les cellules ELA. Et pourquoi je m'intéresse à ce modèle-là? C'est parce que quand on les regarde se diviser, on peut très bien visualiser le petit pont qui relie les deux cellules qui se divisent. Et comme moi, je m'intéresse à sa coupure, c'était parfait. Pour un peu d'histoire, les cellules ELA sont les premières cellules humaines à avoir été cultivées en laboratoire. Elles ont été prélevées de la tumeur de cette dame qui était atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Et à cette époque, c'était en 1951, tous les processus de dons d'organes, de consentement de dons d'organes n'étaient pas du tout encore mis en place. Et c'est seulement une vingtaine d'années plus tard que ses proches ont appris qu'on utilisait ces cellules en laboratoire. Bien sûr, aujourd'hui, ça a évolué et il faut donner son consentement pour qu'on utilise nos organes. Alors concrètement, comment on cultive nos cellules au laboratoire? Eh bien, tout d'abord, on va avoir deux types de cellules. On peut avoir des cellules adhérentes, c'est-à-dire qu'elles vont coller la boîte de plastique, et celles-ci, on peut les cultiver en boîte de pétri. Elles vont venir s'attacher au support. Ou au contraire, on va avoir des cellules en suspension. Elles ne sont pas capables d'adhérer au plastique, et donc on va plutôt les cultiver dans des flasques. Et elles vont flotter dans le petit milieu ici, ça s'appelle du milieu de culture. C'est ce qui contient tous les nutriments pour donner à manger à nos cellules. En effet, elles sont vivantes, donc pour se multiplier et se maintenir en vie, il leur faut des nutriments. Et comme avec Marie, on ne travaille pas sur les mêmes cellules, elles n'ont pas la même nourriture. Donc ici, à droite, on peut voir le milieu de culture que j'utilise pour les cellules ELA, et ici, le milieu de culture pour les cellules bovines. Et donc ici, ce qu'on peut voir, c'est juste Marie qui travaille sous la hotte. La hotte, c'est une atmosphère stérile pour éviter les contaminations microbiennes de nos cellules. Toutes les deux, on utilise aussi la microscopie donc, pour pouvoir répondre à nos questions biologiques respectives. Et donc, il y a une étape, évidemment, avant de passer à la microscopie, c'est de pouvoir marquer avec de la couleur ce qui nous intéresse, donc les composants que l'on veut voir au sein des cellules. Donc, de même, là, on peut voir donc, Aurélie au microscope qui, justement, après avoir marqué avec de la couleur
qu'elle voulait voir au sein de sa cellule est là, va ensuite donc visualiser avec un ordinateur et un microscope, donc avec différents fluorescents, ce qu'elle veut au sein des cellules. Alors, on vous a ramené juste une petite lame pour visualiser donc ce que nous, on utilise au microscope. Et donc, normalement, au niveau de ce rond, il va y avoir des cellules. Bien sûr, à l'œil nu, on ne voit rien, ce qui est totalement normal, puisque le microscope que l'on utilise, il zoome 630 fois ce que l'on peut voir à l'œil nu. Du coup, donc ça, c'est les images que l'on obtient. Donc, sur la gauche, juste ici, c'est les cellules ELA que j'ai marquées. Donc, le marquage que j'ai utilisé, c'est un marquage violet pour marquer le squelette de la cellule, donc les microtubules dont on a parlé tout à l'heure. Et en vert, au milieu, on peut voir la machinerie moléculaire responsable de la coupure. Donc, vous pouvez voir ici l'espèce de petite spirale qui se forme. C'est ce qui va permettre aux deux cellules de se séparer. De mon côté, donc, on a en bleu le noyau de la cellule de la vache. En vert, c'est donc la totalité du parasite, comme ce que je vous montrais tout à l'heure donc sur les photos précédentes. Et par contre, tous les petits points rouges, ça correspond au noyau parasitaire. Et donc, il y en a entre 10 et 20 par cellule de vache. Et c'est ce qui va nous servir à savoir si le parasite est en bonne santé ou non, c'est de compter justement ces noyaux. Donc, jusqu'à présent, on vous a montré des photos de cellules fixées. Mais on peut aussi faire de la microscopie sur des cellules vivantes. Et c'est l'approche que j'utilise pour savoir est-ce que finalement, quand ma protéine responsable de la modification chimique est présente en trop grande quantité, est-ce que cela altère la division? Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé deux conditions. Une condition témoin, où la protéine est présente en petite quantité, et une condition où je mets la protéine présente en trop grande quantité pour mimer ce qui se passe dans le cancer. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est les cellules qui se divisent. Donc, vous voyez, elles s'arrondissent et il y a le petit pont au milieu. Puis, au final, elles coupent ce petit pont et ça forme deux cellules filles identiques. Et au contraire, ici, quand la protéine est présente en trop grande quantité, on peut voir qu'elles mettent beaucoup plus de temps à se diviser et que finalement, elles ne vont pas réussir et régresser et fusionner avec deux noyaux. Et donc, désormais, j'essaie de comprendre par quel mécanisme cette division est altérée finalement. Et pour cela, j'avais besoin de marquer la machinerie moléculaire avec un marqueur vert. C'est ce que j'ai fait et désormais, je peux filmer cette machinerie au cours de la division. Donc par exemple, ici, j'ai marqué les cellules, le squelette des cellules encore en violet et vous voyez la machinerie au milieu en vert, d'abord recrutée sous une espèce d'anneau comme ça. Et puis ensuite, ces anneaux vont progresser et former la spirale dont je vous parlais jusqu'à couper le pont. Et donc désormais, j'ai cet outil qui est disponible et je peux jouer sur la quantité de protéines et donc de modifications chimiques pour voir finalement comment ça altère la localisation de cette machinerie ou est-ce qu'elle est présente au bon endroit, au bon moment, etc. Donc pour résumer, grâce aux cellules ELA et à mes microscopes, j'ai pu voir que quand la protéine responsable de la modification chimique est présente en trop grande quantité, cela altère la division et génère des cellules à plusieurs noyaux. Désormais, j'essaie de comprendre les mécanismes responsables de ces défauts de division avec pour espoir que comprendre ces mécanismes pourrait permettre ensuite de développer des nouvelles cibles thérapeutiques. Pourquoi ? Parce que cette petite modification chimique, elle est permise grâce à la protéine. Et on peut bloquer l'action de cette protéine grâce à des petites molécules qui vont bloquer en fait, la réaction chimique finalement et dans l'espoir de rétablir la bonne division cellulaire. Alors moi, de mon côté, on était plutôt dans une mission anti-telleria, c'est-à-dire qu'on se sert de ce modèle qui rend les cellules cancéreuses et on a deux objectifs, à la fois donc, pouvoir éliminer ce parasite qui cause de graves problèmes économiques et agroalimentaires dans les pays concernés, et à la fois, ça nous sert de modèle justement pour étudier un type de cancer. Donc, la première chose, c'était justement de régler un problème de résistance au seul traitement connu qui existe. C'est comme pour les antibiotiques, finalement, quand il y a un traitement, les bactéries, en l'occurrence là, le parasite, il s'y habitue, et donc il n'est plus du tout sensible à ce traitement. Donc, pour cela, on a testé des centaines et des centaines de nouvelles molécules, et on en a trouvé une, que je vais appeler Bob ce soir, qui justement a réussi à éliminer le parasite sans tuer la cellule de vache. Donc comment on voit ça? C'est tout simplement en comptant, comme je vous le disais, le nombre de noyaux de parasites par cellule bovine. Et donc, quand une cellule n'est pas traitée, il y a environ une dizaine de noyaux. Et après le traitement Bob, il n'y en a plus que 4. Donc on a trouvé une molécule qui semble éliminer le parasite. Bien sûr, on a voulu comprendre comment cette molécule fonctionnait.
Donc, on a mis en place une technique de pêche. On a donc Bob, on sait qu'il va aller dans la cellule rejoindre une cible qui nous est inconnue. Donc, on va le laisser aller dans la cellule rejoindre sa cible, et puis après, on est capable de pêcher Bob, et donc, en même temps, sa cible. Et après, grâce à une technique qui s'appelle de la spectrométrie de masse, mais peu importe, on va avoir une liste, souvent trop longue d'ailleurs, de cibles potentielles. Et à l'intérieur de cette liste, on va essayer de voir laquelle pourrait être intéressante et qui pourrait expliquer justement la mort du parasite. Enfin, donc, on a voulu voir l'effet du traitement Bob sur la formation des tumeurs. Et pour cela, donc, on met les cellules infectées qui ont cette capacité à former des mini-tumeurs dans une espèce de gélose, de gel, et on les laisse pousser. Donc, sans traitement, on voit que les cellules infectées, elles poussent en amas, et elles forment plein de mini-tumeurs qu'on peut voir ici en violet. Par contre, après le traitement Bob, on perd complètement cette capacité à former des mini-tumeurs. Et donc, il semblerait que les cellules qui ont moins de parasites sont, entre guillemets, moins cancéreuses. Donc maintenant, la question, c'est on se demande si justement ces cellules sont redevenues normales ou pas. Et bien sûr, on aurait à l'avenir deux objectifs. Donc à la fois, pouvoir tester le traitement Bob au sein des bovins infectés. Et pourquoi pas, vu qu'il y a des nouvelles thérapies aussi dans le cancer, pouvoir un jour utiliser cette molécule comme traitement anticancéreux. Donc, pour résumer, on a une question commune au laboratoire qui est essayer de comprendre certains mécanismes qui peuvent mener à la formation de cellules cancéreuses. On utilise des techniques qui sont assez similaires, donc la culture cellulaire et la microscopie, mais pour autant, on étudie deux questions totalement différentes. Pour ma part, je m'intéresse aux mécanismes qui régulent la division cellulaire et qui est dérégulé dans le cancer. Alors que moi, plutôt, donc, j'utilise un modèle bovin infecté par un parasite qui nous permet justement d'étudier la relation, donc ce qui a été mis en place finalement par le parasite qui a rendu la cellule cancéreuse et voir si on peut inverser finalement ces processus. Donc comme l'a dit Aurélie, c'est vrai que les deux aspects de notre travail, c'est comprendre les événements qui mènent une cellule à devenir cancéreuse et bien sûr on est bien consciente qu'on en est encore loin, mais on essaye de justement apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir un jour découvrir de nouvelles façons de traiter le cancer. Voilà. Et on vous remercie tous pour votre attention et on attend les questions.